sous un ciel sans nuage, dans les contrées lointaines du sud, la nouvelle nous est tombée que le pasteur Lisse n'est plus, que le pasteur Lisse n'est plus. Retenant mes larmes pour ne pas croire à cette nouvelle, disant Seigneur, pourquoi ceci? Quel un de meilleur puisse partir? Oh, quel trou dans la famille! Le Congo a perdu un impacteur de foi. L'Afrique a perdu un déclencheur de vie. Et le monde a perdu un esprit de génie. Le message a perdu un enseignant doué. Un chrétien ne meurt jamais, car la mort démystifie. Par le message de leur de Branham, nous ne mourrons jamais. Oui, Lisse a changé de tabernacle. Va héros de la foi, retrouver ceux qui sont partis. Dans ce pays où tu as vanté, le pays où la joie demeure, le pays où la joie demeure. Le Congo a perdu un impacteur de foi. L'Afrique a perdu un déclencheur de vie. Et le monde a perdu un esprit de génie. Le message a perdu un enseignant doué. Je ne cesserai de le dire, tu as été vraiment la fleur de lys. Être avec toi, les vertus coulaient dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, devenant pour beaucoup un modèle de vie. Lisse, va et repose-toi avec ceux qui nous ont précédés. Avec ceux qui nous ont précédés. Le Congo a perdu un impacteur de foi. L'Afrique a perdu un déclencheur de vie.
message a perdu. Un enseignant doué. En ce jour où je voudrais rendre cet hommage à cet homme, Pasteur Lys, je me rappelle quand j'ai été attaqué de tous côtés en me disant que je ne chanterai plus jamais. Il est parmi les premiers qui m'ont dit « Life, ne laisse pas. Si tu t'arrêtes parce qu'on te critique, tu ne feras rien dans ce monde. » À mon cinquantenaire, alors qu'il était sérieusement malade, il m'envoie des diacres pour dire « Petit frère, voici ton cadeau d'anniversaire. » Et même au mariage de ma fille, étant malade, il dit « Allez remettre ça, mon petit frère. » Que Dieu te bénisse, vaillant héros. À très bientôt. Non pas un adieu, mais un au revoir.